Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche 16 avril, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, accorde-nous la foi pour que nous ne soyons pas des incrédules, mais des gens qui croient à travers ta parole et à travers les événements de la vie. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce jour nous enseigne que par l'Esprit, Jésus nous rejoint dans nos peurs, dans nos difficultés, dans nos maisons, là où nous sommes. Il nous établit dans sa mission avec le Père et lui-même nous rendra capables de rendre témoignage. Il nous apprend que nous devons être des hommes de foi et non des incrédules. Aussi, il nous apprend que tous ceux qui sont apôtres sont d'abord envoyés par Jésus. Aucun apôtre ne s'envoie lui-même. C'est bien ce que nous voyons dans ce texte fondamental où saint Jean nous rapporte les premiers mots adressés aux saints, aux siens après la résurrection. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Une façon de dire à ses apôtres que j'accomplis ce que mon Père veut que je fasse. Et je vous envoie à mon tour. C'est donc moi qui vous envoie. Et vous avez conscience d'être mû par moi, de prononcer les paroles que j'ai laissées sur vos lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il nous faut nous rappeler, frères et sœurs, que ce mandat missionnaire lancé par Jésus n'est pas l'apanage d'une minorité. Au contraire, il s'étend à tous ceux qui écoutent la parole de Jésus-Christ. Il s'étend à tous les baptisés, du dernier chrétien jusqu'au premier. Alors, toi, mon frère, toi, ma sœur, que fais-tu donc de ce mandat missionnaire que le Christ ressuscité t'a lancé lors de ton baptême? Que fais-tu pour que l'Évangile soit connu dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ton église, dans ton pays? Que fais-tu pour que l'Évangile du salut aille jusqu'aux extrémités de la terre? À chacun de répondre. Demandons simplement au Seigneur de faire de chacun de nous un envoyé qui exerce vraiment, un envoyé qui apporte la bonne nouvelle aux pauvres, qui gisent encore dans la misère et dans la servitude. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.